La production est encore confidentielle mais très prometteuse. Philippe Mallet récolte ses derniers kiwis sur ce jeune verger planté en 2019. Une variété encore méconnue du grand public, le kiwi rouge. À la base, on n'est que 3 ou 4 producteurs de rouge. Et là, on a tenté le coup de partir directement sur du bio parce que le kiwi, il y a moyen de le faire en bio. Mais bon, c'est pas une obligation non plus. Il n'y a pas de traitement dessus, donc... Juste parce qu'on avait envie de le faire. Cette année, seules 2 à 3 tonnes de kiwis rouges seront récoltées dans les Landes. Une variété qui se distingue par son aspect original et attrayant et par ses qualités gustatives. Au niveau du goût, c'est vraiment surprenant également. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas l'acidité que l'on a dans le kiwi vert, qui est apprécié par beaucoup. Mais on retrouve au contraire un goût très fruité, très sweety, très, très doux et très parfumé. Une culture biologique et sous serre photovoltaïque pour protéger le verger des maladies. Ici, poules et canards cohabitent en harmonie pour lutter contre les parasites. Que ce soit les punaises, les escargots, les limaces, les mulots, qui comme n'ont pas de prédateurs ont envahi la serre. Et on avait des milliers de mulots dans la serre. Et les pentades et les poules ont permis de lutter naturellement contre les mulots sans avoir apporté de produits anti-rongeurs, on dit comme ça. Un environnement expérimental pour développer à plus grande échelle la culture du kiwi rouge dans les Landes.